Alors, j'étais venu là pour te montrer mes... Attends, il faut que je te montre encore un truc. Ça. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, ça. C'est un Truskin. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un Truskin. Ça, c'est un truc absolument fantastique. Ça, c'est un Truskin canadien. C'est pour, en haut, si tu regardes bien, tu as une petite... tout au bout, c'est une petite lame. Et puis, la partie dorée ici, tu la poses contre le bois. Et tu l'as fait coulisser contre le bois. Quand je te montre. Ah merde, là, il y a le soleil qui tape. Il y a le soleil qui tape. Voilà. Alors, tu l'as fait coulisser contre le bois comme ça, tu vois. Sac, sac, sac. Et ça te fait une encoche dans le bois à la distance voulue. Et c'est très pratique si tu dois faire, par exemple, si tu dois planter des clous ou des vis toujours à la même distance. Là, tu te fais moins chier. Bon, alors, on arrive maintenant. Au truc, ça c'est une hachette que j'ai fait comme ça. Ça c'était la première et j'avais pas encore acheté ma perceuse à colonne, donc je n'avais pas d'outil pour percer le métal, et donc elle est fixée comme ça avec une corde, hein. Donc ça c'est purement décoratif, je ne l'utiliserai pas à des fins meurtrières parce que ça tiendrait probablement pas. Après, j'ai une massue normale. Alors moi, j'essaie toujours de décorer, tu vois. Je les décore comme ça. Ça, c'est une massue normale. Boing, pour casser la tête. C'est un casse-tête. Bon, ensuite, là, j'ai encore la deuxième que j'avais fait. Je vais les laisser pendre maintenant parce que c'est toujours le même principe. La deuxième, alors là, j'avais déjà ma scie, ma colonne à ruban. Mais comme tu vois, là, le métal, il est très, très épais. J'avais pas les mèches adéquates pour percer. Alors, je les ai attachés aussi comme ça, aussi décorés. Ensuite, j'ai, je sais pas comment on appelle ça. Ce serait un genre de Morgenstern, un genre de fléau d'armes, mais avec une chaîne, une énorme chaîne. C'était la chaîne à cadenas de mon vélo. Puis quand ils m'ont piqué mon vélo, ils m'ont laissé la chaîne, ces enfoirés d'enculés de merde. Alors voilà, là j'ai mis un trou au milieu. J'ai foutu un écrou et...